Families often forget a simple truth. I've found. And which truth is that? Knowledge is power. Seize him. Cut his throat. Stop. Wait. I've changed my mind. Let him go. Step back 3 paces. Turn around. Close your eyes. Power is power. Empezamos la clase con esta escena de Game of Thrones, esta serie de HBO, porque refleja de cierta forma algunas de las discusiones que hemos tenido en clase sobre el poder. ¿Qué es el poder entonces? ¿Qué veíamos en esa escena recién? ¿Cuáles eran los enfrentamientos que podíamos ver sobre las distintas visiones sobre el poder? ¿El poder es algo que se ejerce de forma jerárquica? ¿Es algo que, por ejemplo, puede detentar un gobierno, puede detentar una élite, como veíamos con algunos autores del curso, una clase sobre otra? ¿Es, además, de qué carácter? Lo que veíamos recién en la escena ponía un fuerte énfasis sobre la coerción, ¿no? La fuerza física y el uso del poder en su faceta represiva. Bueno, esto que veíamos recién sobre el poder lo podemos ver en varios de los autores del curso. ¿Qué nos decía, por ejemplo, Weber sobre el Estado y el tipo de dominación que hacía el Estado? ¿Qué nos decía Schmitt? Salvo por el caso de Hannah Arendt, donde sí teníamos una visión bastante distinta sobre el poder, lo que estamos viendo por lo general en los distintos autores del curso es una visión de un poder que se ejerce de arriba hacia abajo. Si bien tenemos diferentes formas de considerar quiénes son los dominadores y quiénes los dominados, sin embargo tenemos esta noción. Vamos entonces a ver ahora qué nos dice Foucault sobre el poder. Vamos a ver en este autor entonces una visión bastante distinta a esta que estamos viendo ahora. Urgente, inmediata, avant même toute autre chose, c'est celle-ci. On a l'habitude, du moins dans notre société européenne, de considérer que le pouvoir, il est localisé entre les mains du gouvernement et il s'exerce par un certain nombre d'institutions bien particulières. Qui sont l'administration, en France on appelle ça préfectorale, enfin je ne sais pas comment on dit ailleurs, l'administration, la police, l'armée. On sait que toutes ces institutions-là sont faites pour transmettre les ordres, les faire appliquer et punir les gens qui n'obéissent pas. Mais je crois que le pouvoir politique, il s'exerce encore, il s'exerce en outre, de plus, par l'intermédiaire d'un certain nombre d'institutions qui ont l'air comme ça de n'avoir rien de commun avec le pouvoir politique, qui ont l'air d'en être indépendantes et qui ne le sont pas. On sait bien que l'université, d'une façon générale, tout le système scolaire, qui en apparence est fait simplement pour distribuer le savoir, on sait que cet appareil scolaire est fait pour maintenir au pouvoir une certaine classe sociale et exclure des instruments du pouvoir toute une autre classe sociale. Quelque chose comme la psychiatrie, qui en apparence aussi n'est destinée qu'au bien de l'humanité et à la connaissance des psychiatres, la psychiatrie est encore une certaine manière de faire peser un pouvoir politique sur un groupe social, la justice également. Bon, et il me semble que la tâche politique actuelle dans une société comme la nôtre, c'est de critiquer le jeu des institutions apparemment les plus neutres et les plus indépendantes, de les critiquer, de l'attaquer de telle manière que la violence politique qui s'exerçait obscurément en eux surgisse et pour qu'on puisse lutter contre elle. À vouloir tout de suite, enfin si on cherche tout de suite
à donner le profil et la formule de la société future, sans avoir bien fait la critique de tous les rapports de violence politique qui s'exercent dans notre société, on risque de les laisser se reconstituer. El poder para Foucault, como nos dice Dario Stansrieder en su libro Filosofía en 11 frases, no es, digamos, que algo que se pueda considerar de forma jerárquica o represiva, como estábamos viendo antes, sino que el poder es múltiple. De esta forma, Foucault desarticula los modos más lineales de pensar el poder. El poder no es, el poder se ejerce. El poder no es algo que esté afuera, que esté reprimiendo o prohibiendo desde una exterioridad de los sujetos, no es algo que posea una autoridad, sino que es algo que constituye a los propios sujetos. La idea de que existe una libertad y una autonomía en sí misma ya es un efecto del poder. ¿Y dónde está el poder? Bueno, el poder lo invade todo, invade la vida de las personas, invade nuestras vidas, y allí donde creemos que el poder no está, es donde hay más poder para Foucault. Por eso es que va a centrar su mirada sobre algunos objetos que hasta el momento no eran fuente de estudio sistemático de la política, como por ejemplo la sexualidad. Todas estas ideas que estamos desarrollando las podemos encontrar en Historia de la Sexualidad, volumen 1. Vamos a escuchar ahora al filósofo Dario Stansrieder resumiendo un poco los objetos de estudio de Foucault. Bueno, Foucault, ¿se entendió? Foucault, no expliqué concepto. Eso. Hipótesis represiva, normalización de la sexualidad. Del sexo no se habla, del sexo es de lo único que se habla. ¿Dónde se normaliza más? Es la pregunta. O sea, todo el tiempo hablamos de sexo, pero de una modalidad de la sexualidad, que es la que finalmente se impone. Y empecemos a buscar las tramas que ligan esta forma de la sexualidad con nuestros cuerpos dóciles, domesticados, con un tipo de institución jurídica como es la monogamia, el matrimonio, las formas en que nos vinculamos a nivel afectivo. Todo empieza a estar conectado con todo. Eso hace Foucault. Pero invierte el esquema porque entiende que ya no nos sirve, antes sí, pero ahora, pensar desde un poder represor como si hubiera un poder central, porque lo que entiende Foucault es que el poder triunfa porque se descentra, se fragmenta, se capilariza, dice en una famosa metáfora. Entonces hay más poder cuando lo que se logra es normalizar una conducta que cuando se la censura. Esta noción del poder de Foucault entonces deja de ser represiva, como estábamos viendo en otras visiones, y empieza a ser un poder productivo. Esto que nos decía Stansrieder recién, ¿no? Es un poder que decide sobre la vida, pero más que reprimir en el sentido que lo veíamos antes, lo que hace es normalizar. Y si el poder produce, ¿qué produce el poder? ¿Y cómo se relaciona el poder con elementos tan importantes como los saberes? En Microfísica del Poder, Foucault hace el vínculo con el poder y la verdad y nos dice que no se trata de liberar la verdad de todo sistema de poder, porque esto es una quimera, ya que la verdad es ella misma poder, sino de separar el poder de la verdad de las formas hegemónicas, sociales, económicas, culturales, en el interior de las cuales funciona por el momento. La cuestión política entonces no es el error, la ilusión, la conciencia alienada o la ideología, es la verdad misma. Y allí, en este vínculo entonces que Foucault traza entre el saber y el poder, va a analizar, por ejemplo, algunos discursos de
de disciplinas como la psicología, la psiquiatría sobre todo, bueno, la medicina en general, y también va a estudiar mucho lo que ocurre con el derecho y cómo se construye entonces también desde el derecho y desde quienes practican el derecho estas concepciones de normalización y normalidad y anormalidad. Vamos a ver entonces que dentro del poder como normalización, este binomio de lo normal y lo normal como aquello deseado, lo anormal como lo no deseado, aquello que excluye lo normal, pero que a su vez es fundamental para delimitar justamente los límites de la normalidad, vamos a ver que entonces tenemos disciplinas que construyen esta normalidad como lo sano, como los comportamientos correctos, y a lo anormal como lo patológico, por ejemplo, si pensamos en el discurso de la medicina, o como lo criminal, si pensamos entonces en el discurso que podemos ver dentro del derecho. Escuchemos nuevamente a Foucault. En esta oportunidad nos va a hablar sobre cómo selecciona sus objetos de estudio y sobre cómo se vincula todo esto con el poder. À la question que vous me posiez, pourquoi avoir pris ces objets-là, je dirais qu'il me semblait, et alors c'était peut-être là le quatrième courant, le quatrième point de référence de mon cheminement ou de mon piétinement, ça a été, si vous voulez, des textes plus littéraires, moins intégrés dans la tradition philosophique. Je pense à des écrivains comme Blanchot, comme Marteau, comme Bataille, qui ont été, pour des gens de ma génération, je crois, très importants, et qui étaient, au fond, la question des expériences limites. Ces formes d'expériences qui, au lieu d'être considérés comme centraux, d'être valorisés positivement dans une société, sont considérés comme les expériences limites, les expériences frontières, à partir de quoi est remis en question cela même qui est considéré d'ordinaire comme acceptable. Oui. Alors, en un sens, faire de l'histoire de la folie une interrogation sur notre système de raison. Comme une expérience limite, la folie c'est comme ça, une expérience limite. C'est ça. Par exemple, quel est le rapport entre la pensée médicale, le savoir de la maladie et de la vie, qu'est-ce que c'est par rapport à l'expérience de la mort, et comment est-ce que le problème de la mort a été intégré dans ce savoir, ou comment ce savoir a été indexé à ce moment, ce point absolu de la mort. Même chose pour le crime par rapport à la loi. Au lieu d'interroger la loi elle-même, et qu'est-ce qui peut fonder la loi, prendre le crime comme le point de rupture par rapport au système. Et prendre ce point de vue-là pour interroger qu'est-ce que c'est donc la loi. Prendre la prison comme ce qui doit nous éclairer sur ce que c'est que le système pénal, plutôt que de prendre le système pénal, de l'interroger de l'intérieur, de savoir comment il s'est fondé, comment il se fonde et se justifie, pour en déduire ensuite ce qu'a été la prison. Mmh. Voilà. Vous avez présenté la philosophie comme, dans son actualité, au fond depuis Kant, comme posant une question qui est une question, je pense, qui nous concerne tous, et qui permet, au fond, à l'homme de s'interroger sur sa situation dans l'histoire, dans le monde, dans la société. Il me semble qu'à travers tout ce que vous avez écrit, depuis l'histoire de la folie et jusqu'à l'histoire de la sexualité, il y a une perception de cette réalité, ou du moins il y a la perception d'un élément de cette réalité qui semble vous intéresser particulièrement et qui concerne tout ce qu'on pourrait appeler les techniques d'enfermement, de surveillance, de contrôle. Bref, la manière dont l'individu dans notre société a été progressivement contrôlé. Est-ce que vous pensez qu'effectivement il s'agit là d'un élément qui, déjà depuis un certain temps, depuis peut-être l'époque classique dans notre histoire, est très déterminant pour comprendre cette modernité ?
Oui, c'est vrai. Si vous voulez, ce n'est pas un problème que je m'étais posé au départ. C'est petit à petit, en étudiant un certain nombre de choses, comme justement la psychiatrie, la médecine, le système pénal, que tous ces mécanismes d'enfermement, d'exclusion, de surveillance, de contrôle individuel ont paru très intéressants et très importants. Bon, je dirais que j'ai peut-être posé ces questions-là d'une façon un peu sauvage à un moment donné. Au moment où je me suis aperçu qu'elles étaient importantes. Bon, je crois qu'il faut bien délimiter de quoi il s'agit et quel est le genre de problème que l'on peut poser à propos de tout cela. Il me semble que dans la plupart des analyses, soit des analyses de type proprement philosophique, soit dans des analyses plus politiques, sinon des analyses marxistes, la question du pouvoir avait été relativement marginalisée. Simplifiée. En tout cas, c'est ça. Ou en tout cas, simplifiée. Ou bien il s'agissait de savoir quels étaient les fondements juridiques pouvant légitimer un pouvoir politique. Ou bien il s'agissait de définir le pouvoir dans une fonction de simple conservation ou reconduction de rapports de production. Oui. Alors, ou il s'agissait de la question philosophique du fondement ou de l'analyse historique de la superstructure. Ceci me paraissait insuffisant, m'a paru insuffisant pour un certain nombre de raisons. D'abord parce que je crois... Et un certain nombre de choses dans des domaines un peu concrets, j'ai essayé d'analyser, le montrent, les rapports de pouvoir sont beaucoup plus profondément implantés qu'au simple niveau des superstructures. Bon. Deuxièmement, la question théorique du fondement du pouvoir est importante, mais je m'excuse, le pouvoir ne fonctionne pas à partir de son fondement. Bien sûr. Il y a des pouvoirs non fondés qui fonctionnent très bien et des pouvoirs qui ont cherché à se fonder, qui se sont effectivement fondés et qui finalement n'ont pas fonctionné. Bon, si vous voulez, mon problème a été de me dire, mais est-ce qu'on ne peut pas étudier la manière dont effectivement fonctionne le pouvoir? Alors quand je dis le pouvoir, il ne s'agit absolument pas de repérer une instance ou une espèce de puissance qui serait là, occulte ou visible, peu importe, et qui diffuserait son rayonnement nocif à travers le corps social ou qui étendrait d'une façon fatale son réseau. Il ne s'agit pas de, pour le pouvoir ou pour quelque chose qui serait le pouvoir, de jeter un grand filet de plus en plus serré qui étranglerait et la société et les individus. C'est absolument pas de ça qu'il s'agit. Le pouvoir, c'est des relations. Le pouvoir, ce n'est pas une chose. Une relation entre deux individus et une relation qui est telle que l'un peut conduire la conduite d'un autre, ou déterminer la conduite d'un autre. La déterminer volontairement en fonction d'un certain nombre d'objectifs qui sont les siens. Autrement dit, quand on regarde ce qu'est le pouvoir, c'est l'exercice de quelque chose qu'on peut appeler le gouvernement, au sens très large. On peut gouverner une société, on peut gouverner un groupe, on peut gouverner une communauté, on peut gouverner une famille, on peut gouverner quelqu'un. Et quand je dis gouverner quelqu'un, c'est simplement au sens où l'on peut déterminer sa conduite en fonction de stratégies, en utilisant un certain nombre de tactiques. Donc, si vous voulez, c'est la gouvernementalité, au sens large, entendu donc comme ensemble des relations de pouvoir et techniques qui permettent à ces relations de pouvoir de s'exercer, c'est ça que j'ai essayé d'étudier. Comment est-ce qu'on a gouverné les fous? Comment est-ce que le problème du gouvernement des malades, encore une fois, je me retrouve entre gouvernement, entre guillemets, mais en lui donnant un sens à la fois large et riche, comment est-ce qu'on a gouverné les malades? Qu'est-ce qu'on en a fait? Quel statut on leur a donné? Où est-ce qu'on les a placés? Dans quel système de traitement, de surveillance aussi, de bienveillance, de philanthropie, de quel champ économique les soins apportés aux malades, etc. C'est tout cela que je crois qu'il faut essayer de voir. Alors, c'est certain que cette gouvernementalité n'a pas cessé, d'un certain point de vue, de devenir plus stricte au cours des âges. Le pouvoir dans un système politique comme ceux qu'on a connus au Moyen-Âge, ces pouvoirs, entendus au sens donc le gouvernement des uns par les autres, étaient finalement assez lâches. Le problème, c'était de prélever, de faire le prélèvement fiscal qui était nécessaire
qui était utile ou qu'on voulait. Bon, ce que les gens faisaient dans leur conduite quotidienne n'était pas très important pour l'exercice du pouvoir politique. Il était important sans doute dans le pastorat ecclésiastique, pour le pouvoir ecclésiastique, le pouvoir politique. Il est venu un moment où ça a été très important. Et où par exemple maintenant, pour prendre une chose, un exemple très simple, le type de consommation des gens devient quelque chose qui est important économiquement, qui est important aussi politiquement. Et c'est vrai que le nombre d'objets qui deviennent objets d'une gouvernementalité réfléchie à l'intérieur de cadres politiques, même libéraux, ce nombre d'objets a considérablement augmenté. Mais je ne pense pas non plus qu'il faille considérer que cette gouvernementalité prenne forcément la forme de l'enfermement, de la surveillance et du contrôle par toute une série de régulations subtiles, souvent. On arrive en effet à conduire la conduite des gens ou à se conduire de telle manière que la conduite des autres ne puisse pas avoir des effets nocifs qu'on redoute, etc. Oui. C'est ce champ de la gouvernementalité que j'ai voulu étudier. Et pour étudier cet objet, ou différents objets que vous avez étudiés, vous avez utilisé une méthode historique. Mais au fond, ce qui apparaît à tous aujourd'hui, et d'ailleurs ce qui fait en grande partie la nouveauté de vos analyses, non pas du point de vue du contenu, mais du point de vue de la méthode, vous avez opéré une sorte de déplacement dans la méthode historique. C'est-à-dire, ce n'est plus une histoire de la science, ce n'est plus une épistémologie, ce n'est plus une histoire des idéologies, ce n'est même pas une histoire des institutions. On a l'impression que c'est tout cela en même temps, mais que, penser par exemple le travail de la psychiatrie ou ce que font aujourd'hui les criminologues, puisque ce sont les criminologues qui vous ont appelé ici, ou pour penser des institutions comme la prison ou les asiles, etc., vous avez dû transformer profondément la manière dont on concevait l'histoire. Est-ce que, par exemple, l'opposition entre savoir et science qui apparaît dans votre œuvre et principalement dans un certain nombre d'écrits plus méthodologiques, est-ce qu'elle vous semble très importante du point de vue de ce genre d'histoire que vous nous proposez? Je crois en effet que le type d'histoire que je fais porte un certain nombre de marques ou de handicaps, comme vous voudrez. D'abord, la chose que je voudrais dire, c'est que, encore une fois, la question dont je parle, c'est qu'est-ce que nous sommes et qu'est-ce que nous sommes aujourd'hui, et qu'est-ce que c'est que cet instant qui est le nôtre. Donc, si vous voulez, c'est une histoire qui part bien de cette actualité. Deuxième chose, c'est que, en essayant de poser des problèmes concrets, je pars forcément, et ce qui me paraît intéressant, c'est de choisir comme domaine des points qui sont particulièrement fragiles ou sensibles dans l'actualité. C'est-à-dire que je ne concevrai guère une histoire, si vous voulez, qui soit proprement spéculative et dont le champ ne soit pas déterminé par quelque chose qui se passe actuellement. Alors tout l'intérêt, tout ce qu'il y a de... c'est non pas bien sûr de suivre ce qui se passe, et de suivre, comme on dit, la mode. Par exemple, une fois qu'on a écrit 10 bouquins, très bons d'ailleurs, sur la mort, on ne va pas en écrire un 11e sous prétexte que c'est la question actuelle. Il s'agit de... Bien sûr. Le jeu, c'est d'essayer de détecter, parmi les choses dont on n'a pas encore parlé, quelles sont celles qui, actuellement, présentent, montrent, donnent quelques indices plus ou moins diffus de fragilité dans notre système de pensée, dans notre mode de réflexion, dans notre pratique. Il y avait, si vous voulez, vers les années 55, quand je travaillais dans des hôpitaux psychiatriques, il y avait une espèce de crise latente, quelque chose dont on sentait bien que ça s'écaille. Et on n'en avait pas encore beaucoup parlé. Mais pourtant, ça se vivait assez intensément. La meilleure preuve que ça se vivait, c'est que, à côté, en Angleterre, et sans qu'on ait eu jamais aucun rapport les uns avec les autres, des gens comme Leng et Cooper, eux aussi, se battaient avec le même problème.
Donc c'est une histoire qui se réfère toujours à une actualité. Même chose pour le problème de la médecine. C'est vrai que la question du pouvoir médical, oui, ou en tout cas du champ institutionnel à l'intérieur duquel le savoir médical fonctionne, était une question qui commençait à se poser, qui était même assez largement posée vers les années 60, qui n'est entrée dans le domaine public qu'après 1968. Bon, c'est donc une histoire de l'actualité en train de se dessiner. Oui. Mais par rapport à cette actualité, au fond, la manière dont vous élaborez l'histoire, elle me semble originale, elle me semble... Est-ce qu'elle est, au fond, elle est réglée par l'objet même que vous analysez? C'est en raison de ces problèmes que vous percevez comme étant fragiles ou comme étant des problèmes clés dans notre société que vous êtes amené à en refaire l'histoire, pour les éclairer bien sûr, mais à en refaire l'histoire d'une manière spécifique? Bon, alors, au niveau des objectifs que je me pose en faisant cette histoire, souvent les gens ont lu ce que j'ai fait comme des sortes d'analyses à la fois compliquées, un peu obsessives, et qui mènent à ce résultat que finalement, mon Dieu, comme nous sommes emprisonnés dans le système qui est le nôtre, combien sont nombreux les lacets qui nous en serrent, et combien il est difficile de dénouer les nœuds que l'histoire a noués autour de nous. Alors qu'en réalité, je veux faire tout le contraire. Car, lorsque j'essaie d'étudier quelque chose comme la folie ou la prison, etc., prenons si vous voulez l'exemple de la prison. Quand on discutait, il y a encore quelques années, disons au début des années 70, avec les gens sur la réforme du système pénal, une chose me paraissait très frappante, c'est que, par exemple, la... Bien sûr, on posait la question théorique du droit de punir. Bien sûr, d'un autre côté, on posait le problème de savoir comment on peut aménager le régime pénitentiaire. Mais cette espèce d'évidence, si vous voulez, que la privation de liberté est au fond la forme la plus simple, la plus logique, la plus raisonnable, la plus équitable de punir quelqu'un parce que il avait commis une infraction, cela n'était pas tellement interrogé. Or, ce que j'ai voulu faire, c'est de montrer combien finalement cette adéquation, pour nous si claire et simple, de la peine avec la privation de liberté, était en réalité quelque chose de récent. Quelque chose de récent, c'est une invention technique qui a été, bon, dont les origines bien sûr sont lointaines, mais qui a vraiment été intégré à l'intérieur du système pénal et qui a fait partie de la rationalité pénale à partir de la fin du XVIIIe siècle. Et j'ai essayé d'interroger les raisons pour lesquelles la prison était ainsi devenue une sorte d'évidence dans notre système pénal. Il s'agit donc de rendre les choses plus fragiles par cette analyse historique, ou plutôt de montrer à la fois pourquoi et comment les choses ont pu se constituer ainsi, mais montrer en même temps qu'ils se sont constitués à travers une histoire précise. Il faut donc montrer et la logique des choses, ou si vous voulez, la logique des stratégies à l'intérieur desquelles les choses se sont produites, et montrer que ce ne sont pourtant que des stratégies, et que du coup, en changeant un certain nombre de choses, en changeant de stratégie, en prenant les choses autrement, du coup, ce qui nous paraissait évident ne l'est pas. Notre rapport à la folie, c'est un rapport qui est historiquement constitué. Et du moment qu'il est historiquement constitué, il peut être politiquement détruit. Ou, je dis politiquement, donnons au sens, au mot politique, un sens très large. En tout cas, il y a des possibilités d'action, puisque c'est à travers un certain nombre d'actions, de réactions, etc., à travers un certain nombre de luttes, de conflits, pour répondre à un certain nombre de problèmes, que on a choisi ces solutions-là. J'ai voulu réintégrer beaucoup des évidences de notre pratique dans l'historicité même de ces pratiques. Et du coup, oui, les déchoir de leur statut d'évidence pour leur redonner la mobilité qu'elles ont eue et qu'elles doivent toujours avoir dans le champ de nos pratiques. Oui, dans vos conférences actuelles, vous utilisez le terme « véridiction » qui se réfère à
dire la vérité et qui touche à un problème de vérité. Dans la méthode, au fond, dans ce que vous venez de dire concernant à la fois votre intérêt pour l'actualité et la manière dont vous envisagez l'histoire et la constitution même, au fond, de cette actualité, en quelque sorte, vous remettez en question ce qu'on pourrait penser être les fondements de telle ou telle pratique, et vous avez dit que vous nous avez dit à propos du pouvoir, le pouvoir ne fonctionne pas à partir de son fondement, mais il y a effectivement toujours des justifications ou des réflexions philosophiques qui visent à fonder le pouvoir. Votre méthode historique elle-même, qui est une méthode qui fait une sorte d'archéologie ou de généalogie selon les, peut-être selon les objets ou selon le développement même de votre pensée, vise à montrer que finalement il n'y a pas de fondement à des pratiques de pouvoir. Est-ce que vous seriez d'accord pour dire qu'au fond, d'un point de vue philosophique et dans l'ensemble de votre développement, ce que vous visez, c'est aussi à déconstruire toute entreprise qui viserait à donner un fondement au pouvoir ? Mais je crois que l'activité de donner un fondement au pouvoir, l'activité qui consiste à s'interroger sur qu'est-ce qui fonde le pouvoir que j'exerce, ou qu'est-ce qui peut fonder le pouvoir qui s'exerce sur moi, je crois que cette question est importante. Elle est essentielle. Je dirais que c'est la question qui est fondamentale. Mais le fondement que l'on donne en réponse à cette question fait partie d'un champ historique à l'intérieur duquel elle a une place tout à fait relative, etc. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas le fondement, mais il est très important que dans une culture comme la nôtre, la question est de savoir si on peut le trouver ailleurs ou pas, dans d'autres cultures, ça je n'en sais rien, mais il est très important que pour nous, non seulement des siècles, mais des millénaires, un certain nombre de choses, comme en particulier l'exercice du pouvoir politique, s'interroge lui-même, ou se voit interrogé par des gens qui posent la question, mais qu'est-ce qui vous fonde? Qu'est-ce qui vous légitime? Il y a là un travail critique. Mais ce que vous trouvez important, c'est justement le travail critique cette question qui sans cesse se répète, qui revient, qui interroge. Il y a deux millénaires qu'on s'interroge sur le fondement du pouvoir politique. Quand on dit deux millénaires, c'est deux millénaires et demi. On s'interroge sur le fondement du pouvoir politique, et c'est cette interrogation qui est fondamentale. Et au fond, le type d'histoire que vous avez faite, c'est bien une analyse des, vous avez dit des stratégies, mais aussi une analyse de la manière dont un certain nombre de pratiques ont recherché leur propre fondement. Absolument, absolument. Je dirais que c'est l'histoire des, je vais employer encore un mot barbare, mais les mots ne sont barbares que lorsqu'ils ne disent pas bien clairement ce qu'ils veulent dire, si bien que beaucoup de mots familiers sont barbares, parce qu'ils disent beaucoup de choses à la fois ou qu'ils ne disent rien, et qu'en revanche, certains mots techniques, bizarrement construits, ne sont pas barbares, ils disent à peu près clairement ce qu'ils veulent dire. Je dirais que je fais l'histoire des problématisations, c'est-à-dire l'histoire de la manière, comment et pourquoi, et sur quel mode particulier, la folie a-t-elle fait problème dans le monde moderne. Et pourquoi est-ce que c'est devenu un problème important? Problème tellement important qu'un certain nombre de choses, par exemple comme la psychanalyse, qui Dieu sait a diffusé à travers toute notre culture, sont même partis d'un problème qui était un problème absolument intérieur au rapport que l'on pouvait avoir avec la folie. Bon, c'est l'histoire de ces problèmes. Sur quel mode nouveau, la maladie qui évidemment a toujours fait problème, mais il y a eu un mode nouveau de problématisation de la maladie, me semble-t-il, à partir du 18e, du 19e siècle. Alors ce n'est pas en effet ni l'histoire des théories, ni l'histoire des idéologies, ni même l'histoire des mentalités qui m'intéresse. C'est l'histoire des problèmes, c'est si vous voulez la généalogie des problèmes qui m'intéresse. Pourquoi un problème et pourquoi tel type de problème, pourquoi tel mode de problématisation apparaît à un certain moment à propos d'un domaine, par exemple à propos de la sexualité. Bon, j'ai mis très longtemps à commencer à percevoir comment on pouvait répondre à cela, quel a été le nouveau
Le problème, c'est, voyez-vous, à propos de la sexualité, c'est pas tellement de savoir, de répéter indéfiniment la question, voyons, est-ce que c'est le christianisme, ou est-ce que c'est la bourgeoisie, ou est-ce que c'est l'industrialisation qui a amené la répression de la sexualité. La répression de la sexualité, elle n'est intéressante que dans la mesure où, d'une part, elle fait souffrir un certain nombre de gens, encore actuellement, elle est intéressante d'autre part, parce qu'elle a toujours pris des formes diverses, mais ayant toujours existé. Ce qui me paraît un truc important à faire apparaître, c'est comment et pourquoi ce rapport à la sexualité, ou ce rapport à nos comportements sexuels, ont fait problème, et sous quelle forme est-ce qu'ils ont fait problème, car ils ont toujours fait problème. Mais il est certain qu'ils n'ont pas fait problème de la même façon chez les Grecs du 4e siècle avant Jésus-Christ, chez les chrétiens du 3e, 4e siècle, ou 16e ou 17e maintenant, etc. C'est cette histoire des problématisations. Alors comment, dans les pratiques humaines, il y a un moment où, en quelque sorte, les évidences se brouillent, les lumières s'éteignent, le soir se fait, et où les gens commencent à s'apercevoir qu'ils agissent à l'aveugle et que, par conséquent, il faut une nouvelle lumière. Il faut une nouvelle lumière, il faut un nouvel éclairage, et il faut de nouvelles règles de comportement. Et alors, là, voilà qu'un objet apparaît. Un objet qui apparaît comme problème. Voilà. Oui. Je voudrais vous poser une dernière question. Vous avez été invité par la faculté de droit et vous semblez vous intéresser particulièrement maintenant au droit et aux phénomènes juridiques. Est-ce que vous pourriez expliquer brièvement, au fond, d'où vient cet intérêt pour le droit et ce que vous espérez en retirer? Écoutez, je crois que je me suis toujours un peu intéressé au droit. Comme un laïc, je ne suis pas un spécialiste du droit, je ne suis pas un juriste. Mais aussi bien à propos de la folie qu'à propos du crime, de la prison, j'ai rencontré le problème du droit, le problème de la loi. Et la question que j'ai toujours posée, c'était de savoir comment les technologies de gouvernement, comment ces rapports de pouvoir entendus au sens où nous l'avons dit tout à l'heure, comment tout cela pouvait prendre forme à l'intérieur d'une société qui prétend fonctionner au droit et qui, pour une part au moins, fonctionne au droit. Alors ce sont les liens, les rapports de cause à conséquence, les conflits aussi, les oppositions, les irréductibilités entre ce fonctionnement du droit et cette technologie du pouvoir, c'est ça qui me paraît que je voudrais étudier. Et il me semble que interroger les institutions juridiques, interroger le discours et la pratique du droit à partir de ces technologies de pouvoir peut présenter un certain intérêt, non pas du tout au sens que ça bouleverserait entièrement et l'histoire et la théorie du droit, mais il me semble que ça peut jeter une certaine lumière sur certains aspects assez importants de la pratique de la théorie judiciaire. Ainsi, interroger le système pénal moderne à partir de la pratique punitive, de la pratique corrective, à partir de toutes ces technologies par lesquelles on a voulu modeler, modifier, etc., l'individu criminel, il me semble que ça permet sans doute de faire apparaître un certain nombre de choses. Donc, si vous voulez, je croise sans cesse le droit, sans le prendre comme objet particulier. Et si Dieu me prête vie, après la folie, la maladie, le crime, la sexualité, la dernière chose que je voudrais étudier, bien, ça serait le problème de la guerre et de l'institution de la guerre dans ce qu'on pourrait appeler la dimension militaire de la société. Et là encore, j'aurais à croiser le problème du droit, aussi bien sous la forme de droit des gens, droit international, etc., que aussi le problème de la justice militaire, etc. Enfin, qu'est-ce qui fait qu'une nation peut demander à quelqu'un de mourir pour elle? La normalisation, entonces, construye la anormalidad y la anormalidad, y todo este dispositivo se invisibiliza. Estas normas básicas que instala la normalización se asumen como parte de la propia naturaleza de las cosas y por eso no hay conciencia del ejercicio de este poder. De ahí radica su eficiencia.
¿Y qué construye entonces? Volvemos a esa pregunta de qué construye el poder. El poder construye los sujetos. Vamos a ver ahora a Darío Stanzreiber, quien nos va a dar un ejemplo práctico de algunos de los dispositivos en los que se afianza el poder desde el disciplinamiento. Digamos, cuando empecé a dar clase, tenía 23 años, y empecé a dar clase en la facultad, y al año siguiente me llamaron de un colegio, donde había dejado un currículum. Fui a dar clase al colegio, y la rectora, que era medio mala onda, pero se había copado, me dijo, bueno, este es el programa, pum, 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 pum. Entonces, segunda, tercera clase tenía que dar Sócrates. Doy Sócrates, preparo la clase. Tenía un grupo de alumnos divinos que al toque se habían reenganchado con la filosofía, cosa extraña, pero eran pocos, 14, pónganle. Y entonces digo, a ver, joven, 24 años, todavía creía en algo. Voy, llego, digo, bueno, hoy vamos a hablar de Sócrates. Vengan conmigo, le digo a mis alumnos. Y me voy del aula. Los 14 me miran con cara de, ¿a dónde vas? Ya anticipando lo que iba a pasar, obvio. Vengan. ¿Por qué? Porque yo quería, obviamente, explicar un pensador que, entre otras cosas, daba clases caminando. Una clase de Sócrates con sus alumnos era una recorrida por el puerto de Atenas discutiendo. Entonces Sócrates decía, ¿qué es la valentía? ¿O qué es la amistad? Un boludo le contestaba y empezaba un diálogo, todo el mundo se peleaba, se metía y discutían ese tema. Sócrates nunca tomaba partido, sino que trataba de tirar abajo los argumentos de los otros. O sea, Sócrates no daba clase diciendo, anoten, Heráclito nació en el 500. O sea, hacía filosofía. Entonces, yo, que era creyente en ese momento, creyente en las instituciones, ¿no? Obviamente, dije, ¿cómo puedo dar una clase de Sócrates a los Sócrates? Digo, gran traición dar Sócrates en un aula parado con alumnos escribiendo. Si es justo lo contrario, ¿no? Y aparte, me había pasado algo, me acuerdo si se los conté la clase pasada, me había pasado algo al toque que me había impactado mucho, que es que, digamos, mi filósofo de siempre era, es y será Nietzsche. Y en ese momento había cursado una materia, la única en toda mi carrera donde me dieron algo de Nietzsche, y Nietzsche, que era un filósofo que odiaba, detestaba y despreciaba el saber académico, y que gran parte de su obra estuvo pensada contra el saber académico, yo tuve clases donde me daban a Nietzsche con todas las categorías y todas los recursos del saber académico. Entonces parecía un chiste que un profesor me dijera, anoten, Nietzsche es un pensador que está en contra del saber académico. Dicto, decía el profesor. Nietzsche está en contra del dictado de clase. Y vos lo mirabas y decís, es tremendo, ¿no? Es como, es la historia de la vida de cualquiera, ¿no? Es hacerse el boludo o ser consciente que algo no funciona, ¿no? O sea, porque hay algo que no. Digo, no quiero meterme en situaciones por ahí más evidentes, pero ¿cuántas veces estamos diciendo cosas o pensando cosas y en el momento estamos practicando exactamente lo contrario de lo que estamos diciendo?
Y nos damos cuenta y decimos, ¡ihue! Tremendo. Pero claro, a los 24 años, nada, crees un poco todavía. Y entonces dije, voy a dar clase caminando. Y fuimos. Y les tiré, obvio, qué es el amor, ¿no? Que son los temas que garpan siempre en filosofía. El amor, son tres. ¿Me ayudan? El amor, la muerte, Dios. O sea, no te dan pelota, habla del amor, Dios y la muerte, que al toque te escuchan. Más si tiras frases como, todos saben que nos vamos a morir y ya. Entonces, ¿cómo ya? Bueno, porque en términos de extensión temporal, frente a la eternidad del universo, lo que te queda de vida es ya. No, me quedan 50, es ya. Porque en millones de millones de años, y ya está. Bueno, entonces empezamos a discutir el amor, el amor, el amor, y se recoparon. Íbamos caminando de un pasillo a otro, claro, a los gritos, pendejos adolescentes que se recoparon con la discusión, y damos la vuelta en un momento en un pasillo y en un recodo, ¡zup!, la rectora. Recta, la rectora, ¿no? Con cara de recto. Ortodoxa en su manera de pensar la educación. Me dijo como, me acuerdo el gesto, después terminé re amigo, ¿no? Pero, ¿qué haces? Pero vieron con cuando alguien quiere realmente aplastar a otro. Yo me sentí, aparte que yo tenía 24 años, los pelos largos, no me ataba el pelo. Ahí me empecé a atar el pelo porque ya era como la normalización, claro. No, estoy dando Sócrates. Y una chica que después estudió filosofía interrumpe y dice, está dando Sócrates. El profe está dando Sócrates. ¿Cómo querés? Le decía la rectora. Que dé Sócrates si no es así. Al aula. Al aula. No, pero al aula. Todos al aula, todos sentados. Me llamó a la rectoría. Hablamos, ¿no? Dentro de todo, a pesar de los gritos, digo, ¿qué pasa? No, la clase se da así. Me acuerdo que me decía, vos al frente, ellos sentados. Y después, no hay vuelta. Y yo me hacía como el creyente, ¿no? Entonces le decía, pero ¿a vos qué te importa más? ¿Cómo están sentados o que aprendan? Y obviamente la rectora, que tenía años de rectora, me decía, ¿cómo están sentados? Obviamente. ¿Qué venís a correr por izquierda, forro? No me dijo eso. ¿Cómo están sentados? Y me controlaba, porque yo soy, ¿no? Si un alumno está sentado o tirado o acostado, ¿qué me importa si la clase funciona? Bueno, importa. ¿Por qué importa? Porque es una clase, porque es un aula. ¿Sí? Y ese es otro de los grandes temas de Foucault, la disposición de los espacios, de los encierros, de la relación de autoridad entre el que está al frente y el que recibe. No estoy hablando de otra cosa que de lo mismo de antes, que es de la normalización, en este caso de la vida educativa, pero que en este caso, después de vigilar y castigar, recibe un nombre muy concreto que es sociedad disciplinaria, también conocida como panóptico o sociedad del panoptismo. Hay una disposición, lo que la rectora, no quiero decir el nombre por la duda que después, digamos, lo que la rectora en ese momento me estaba diciendo es, vos podés ser un gran docente, los pibes se pueden enganchar, todo lo que quieras. Una clase es otra cosa.
Eso que estás haciendo vos estará buenísimo. No es una clase. Yo no te contraté para que camines por los pasillos con los alumnos, ni para que los alumnos aprendan, ni para que los alumnos se copen. Yo te contraté para que des una clase. Una clase es un formato institucional dentro de una institución escolar que define lo que es una clase en función de una sociedad disciplinaria en la que se define cómo se disponen los actores en un aula, en una fábrica, en un hospital y en la mesa de la familia los domingos. Y hay una misma matriz de disposición de las fuerzas. Se llama sociedad disciplinaria y tiene un único objetivo, la normalización. El poder entonces normaliza, todo lo invade. Hay poder que nos está construyendo a nosotros, a nosotras mismas, y al mismo tiempo somos ese poder. Incluso en el propio esquema que estamos viendo acá, donde interpreté parte de lo que decía Foucault y de lo que decían otros autores, está habiendo un ejercicio de poder. En la interpretación, en la explicación, también hay un ejercicio de poder. Entonces, el poder, como estábamos viendo recién, está en todos lados, es múltiple, se ejerce y está en las relaciones. Y quizá terminar esta reflexión sobre el poder en Foucault con parte de lo que él dice sobre la resistencia. Él establece que donde hay poder hay resistencia. O sea que esta contracara de lo que estuvimos viendo sobre el poder es la resistencia. Volviendo a Steinreiber, si pensamos que el poder actúa de un modo productivo y no represivo, lo que habría que empezar a pensar dentro de esta resistencia es que resistir también es un ejercicio de poder. Habría que poder fundamentar, no metafísicamente, porque hay poderes buenos y poderes malos. Si hay una resistencia, que también es poder, ¿es realmente una auténtica resistencia? Si no es la resistencia de alguna manera una creación del poder, en el sentido de que el poder, para poder expandirse, necesita hacerlo contra una resistencia, ¿cómo hace el poder para crecer si no es contra cierto tipo de resistencia? Y por último, ¿no será toda resistencia entonces una función más del poder? Bueno, con esta reflexión les dejo y lo seguimos discutiendo en la próxima clase.